Bonjour, bien bonsoir, dépendamment de l'heure où cette vidéo, ça va bien, nous, c'est Sano Jackson. Donc, c'est un plaisir pour me rencontrer, pour me présenter une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo, ça me vient de montrer comment pour calculer combien de coûts vous pourrez payer comme moulta. Et ici, dans le Chili, les gens qui ont un visa qui expire, avant bien même la renouveler visa ou bien vous le déposer pour définitif, ils supposaient payer moulta ça. Maintenant, pour payer moulta, avant, ils ont demandé pour avoir un ensemble de pièces. Mais dans le moment où je parle là, sous système XNKLIA, ou seulement besoin de carnet pour calculer combien de cob ou pour le payer. Donc, vous êtes capable de payer le tout sous le même système. Non, comme ça, tout le doit et prendre un fiche là ou le payer la banque. Donc, je vais vous montrer avec un peu d'attention comment pour calculer moulta sous téléphone qui est dans mon nom. Et si vous voulez tout, capable tout profiter de payer sous système. Non. Donc, sur vidéo avec un peu d'attention, je vais vous montrer comment pour calculer moulta sous téléphone qui est dans mon nom. Mais qui vient pour calculer combien qu'on gagne pour payer comme moulta. Donc, quel que soit le type de dispositif que tu as gagné en main, quel que soit ton tablette, ou ton laptop, ou bien tu as gagné un téléphone, donc, vous êtes capable de calculer bien facile combien qu'on gagne pour payer comme moulta. Maintenant, dans le navigateur gen sous téléphone, hein? Donc, généralement, il est capable Google, ou pas sur Google, et vous tapez www.extranjelia.com extranjelia.gob.cl. Donc c'est ça on va taper, c'est ça qui site extranjelia. Et puis on va taper sous lui. Dans page qui ouvre bas ou dans la partie en l'air, on va remarquer qu'il y a un carré qui a trois petits bas. On va cliquer sur carré ça et puis là pour ouvrir bas ou et ou après, on côté qui marque Tramites Digitales et Estado de Tramites, Reserva de Hora de Atención, etc. Et puis, on clique côté qui dit Tramites Digitales. Là, on cherche, alors, on cherche côté qui marque et côté qui marque Calculo de Multa. Calculo de Multa extranjero. Et dans la partie rouge qui marque Initial Tramite, on clique sur lui. Voilà, introduction. Bien, là, on dit nous bienvenue dans Tramité pour étrangers. Et Tramité, ça permet qu'on fait calcul moulta bien simple et complet sur Internet là, avec un pilote bénéfice encore. Qui soit besoin? Ou a besoin seulement d'un document d'identité et ou a besoin ou a seulement un besoin d'un dispositif que quel que soit côtoyé. Et ou capable de faire tramiter. Ya. Et puis, ou capable de calculer quantité qu'on voit bien pour payer sans pas besoin d'aller dans l'exchange. Et ou capable de choisir tout et méthode pour payer, tramiter ça. Ou capable de payer, pas payer, PAL, etc. Et puis, ou capable de réviser de façon digitale et envoyer document en bas ou sous email ou pas même besoin. Clavier Unica et automatiquement au fin fait tout ça au moment pour faire ou a juste cliquer sur Pago Bale Vista et puis a voir le barreau sur email c'est ça donc ça aussi règlement y a pas trop nécessaire et n'a cliquer là ou a cliquer sur siguiente voilà là. Si ça avec un passeport à faire, ou capable de faire le passeport tout. Si ça passeport à faire, ou à cliquer sur passeport. Si c'est avec et carnet qui n'a mon à faire, ou capable juste cliquer sur ces dollars d'identité chilienne. Et puis, je vais cliquer sur ces dollars d'identité chilienne. Et mettez n'importe numéro de carte d'identité parce que c'est pas fait ma fait vraiment c'est une démonstration m'a fait m'a cliqué sur siguiente voilà et là il m'a demandé pour mettre route là
ou mettre route là, si c'est pas si c'est numéro passeport, si c'est un numéro passeport faire ou mettre numéro passeport. Maintenant et puis il y a mando pour bail qu'il est passeport. Alors qu'il est document ça expiré, si c'est passeport qu'il est passeport expiré, si c'est carte d'identité qu'il est là expiré. Alors mettez en date. Et cliquez sur guardar. Après ça là, il dit pour mettre nom. N'a mettez nom non. Et second deuxième nom ou ap metel, sou pa gon deuxième nom ou ap kite le vide. Donc ça c'est pour mettre signature côté qui dit primel apéri droit ou ap mettre signature second deuxième et un deuxième signature ou ap metel, sou pa gon deuxième signature tout ou ap kite le vide. Maintenant ou ap mettre date de naissance ou ou mettre date de naissance ou et mettez date de naissance ou mettez pays côté sorti à côté fait là et qui c'est Haïti et pays côté fait là et puis pays côté nationalisé est-ce que si c'est Chili ou si c'est Chili et ou fait si c'est sous naturalisé ou capable mettre Chili comme on par naturalisé mettez Haïti et là c'est qui côté ou vivre dans les zones côté ou vivre là ou mettre alors département côté ou vivre là région côté ou vivre là zone côté ou vivre là dépendamment de qui côté ou vivre ou même moi même dans région bal palaiso m'a mettre région donc quel que soit type de côté ou ya et ou mettre ça c'est région ou mandé ou mettre et région ou mettre région ou capable mettre n'importe et région dépendamment de qui côté ou vivre. Et puis là, on mette email ou. On mette email ou. On mette email ou. On met un email. Met un email quelconque. Là, on mette numéro de téléphone. On mette numéro de téléphone. Nan, Jean, ouais, yo bay model ça. On mette numéro de téléphone. Nan. Et puis, on clique sur suivante. Donc, nan faz ça. Dans phase ça information de calcul de multa et quoi de fois sur ultima condition migratoire et alors qui dernier condition migratoire te gain est-ce que c'est visa ou te gain est-ce que c'est condition de touriste est-ce que c'est son visa touriste qu'on gain est-ce que son visa et temporaire qu'on gain est-ce qu'on visa et définitif qu'on gain donc on choisit bon c'est sûr qu'on gon visa ou gon visa et temporaire n'a mettez compte bisa a vous choisir compte bisa depuis ces visa côté gain ou mettez compte bisa et puis ou mettez date visa ça et date visa ça va expirer ou bien date li expirer déjà c'est le ou mettez et maintenant yo dit quantos días de trabajo usted sin autorización. Aïcho, ça dit quand combien de jours ou t'es fait son pas travail, sous pas fait sous pas fait aucun jour, sous pas fait aucun jour avec visa, pas fait aucun jour de travail avec visa expiré, mais zéro. Et puis là, registre ou usted subisa o su permanencia definitiva en policía de investigación, de investigaciones. Donc est-ce que tu es enregistré visa ça? Non PDI ou ap di oui parce que sou te gen carnet c'est sur côté de ou te enregistré dans PDI ou sted cédulo en un registre civil est-ce que carnet ki nan mon est-ce que c'est dans registre civil que ou te fait ou ap di oui c'est dans registre civil tout vos ou sted una multa antérieure pour résidence irrégulière ou même si ou te gen sou te gon visa et irrégulier nan men sou te gon multa alors sou te gon multa sou te fò paye multa déjà sou te fò paye multa déjà pour parce que ou pas légal nan pays ou ap di oui ou bien non dépendamment de ou et moi même m'pat gen multa m'pat paye multa déjà et bien m'di non. La ou di, tuvo usted una multa anterior por trabajar irregularmente? Eh bien, si yo te bo multa por escote trabajo, tap trabajo ilegal,
ou ap di oui, et bien si ou pas de ba ou moun tap, pa le fait que ou tap travail illégal, ou ap di non. Et faut ou stèd fiscalisado pour la PDI, si PDI te arrêté déjà ou te campo déjà, te reviso déjà, ça veut dire ou gen information dans PDI pour un délit, un bagay ou te fait ou pas de fait, et bien ou ap di oui. Si PDI pas jamais campo ou pas jamais reviso, et bien ou ap di non. Après ça, on va cliquer sur suivante. Voilà, zami, ça c'est dernière phase là. Donc ça c'est là, ça c'est dernière phase. Regardez là, yo gen t'envoyer, yo gen t'envoyer document ban moi là. Well, yo gen t'envoyer document. Yo gen t'envoyer document ban moi là. Voilà, yo gen t'envoyer document ban moi. Et puis là yo di m'a payé 45,450 pesos. Si ça m'a payé, yo di date limite pour me payer document ça c'est mardi 18 août 2020. Donc ça m'getan fini là. Ça m'gen pour me faire là m'a cliquer sur siguiente. Maintenant là yo dit et là si vous voulez revoir un message là ou capable cliquer là après vous un message là bas il y a l'autre méthode de paiement. Ça veut dire là si vous besoin payer soit payer en ligne ou capable taper là ou dit siguiente et puis ou tout payer vous comprenez, soit payer en ligne ou taper sur siguiente et puis ou payer. Donc comme vous voyez balé vista ban moi sou email moi déjà, et ben m'a juste prendre balé vista ou voyez ba ou sou email ou juste prendre ou pral payer dans banque là. Donc c'est bien facile. Donc m'espère que vidéo ça l'été servi. Donc automatiquement ou fin fait tout tramité ça ou fin payer dans banque là, et ben ou capable faire tramité ya sou internet là. Ça veut dire soit déposer pour définitif ou qu'à déposer pour définitif. Donc si c'est pour yon l'autre canet ou à déposer tout ou capable déposer pour l'autre canet. Donc m'espère que vidéo a été servie et m'a rencontré encore une fois pour l'autre vidéo. Que passe une bonne journée ou bon passe une bonne soirée.